الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 17 من شهر شعبان لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 15 من كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 15 juin 2014 et aujourd'hui nous entrons dans le 15e cours de l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans la bataille de Badr, qui fait partie, comme on l'a dit plusieurs fois, des plus grandes batailles dans lesquelles les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont opposés aux ennemis d'Allah azza wa jal. Hier, nous avons vu comment est-ce que le combat a commencé. Nous avons vu qu'au début, il y a certaines personnes parmi les notables de Quraysh qui voulaient s'enfuir, ou plutôt quitter les lieux plutôt que de combattre. Et suite à ça, un dialogue ou un débat s'est entamé entre Utba ibn Rabi'a, qui lui voulait partir, et Abu Jahl, qui lui voulait rester. Souvenez-vous que Abu Jahl, quand il a appris que la caravane, le convoi commercial, a été sauvé et n'a pas été pris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan leur a envoyé un message dans lequel il leur a dit: vous n'avez plus besoin de venir car on a été préservé. Qui est celui qui s'est enflé d'orgueil? Abu Jahl. Abu Jahl a dit: on va aller jusqu'à Badr, on va y rester pendant 3 jours et on va y boire le vin et on va faire chanter les femmes jusqu'à ce que les Arabes nous redoutent, nous craignent. Donc c'était juste pour se vanter. Et ils ont décidé alors d'aller à Badr. Abu Jahl a trouvé le moyen de provoquer la bataille. Il a dit aux frères de Amr ibn al-Hadrami: celui qui s'est fait assassiner dans l'expédition militaire de Abdullah ibn Jahsh, le premier assassiné mécréant tombé devant les musulmans, il a donc dit à son frère: demande la vengeance pour ton frère. Et alors il a provoqué les gens en disant: wa Amra, oh Amr, oh Amr, c'est-à-dire: défendez mon frère, ne laissez pas le sang comme ça de mon frère couler sans le défendre, sans le venger. Alors les gens se sont chauffés, ou bien par ces paroles provoquées ou bien chauffées, et la bataille a commencé. Elle a commencé avec des duels dans lesquels 3 des kuffars de Quraysh se sont opposés dans un combat à 3 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et au début, 3 parmi les Ansar avaient décidé de combattre les 3 parmi les kuffars. Et les kuffars ont répondu qu'ils désiraient plutôt des gens issus d'eux, de leur peuple, des gens qui avaient émigré de la Mecque. Ils voulaient s'en venger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Ali ibn Abi Talib, Ubaidah ibn al-Harith et son oncle Hamza. Quant à Ali, il a tué parmi les kuffars Al-Walid ibn Utba. Quant à Hamza, il a tué Utba, le père de Walid, qui a été tué par Ali. Et d'autres ont dit que c'est Shayba qui l'a tué, wallahu a'lam. Quant à Ubaidah, il a fait face à un adversaire coriace, ce qui a fait que chacun des deux a infligé un coup à l'autre sans pour autant le tuer. Alors Hamza et Ali sont venus à son secours et l'ont achevé.
Puis ils ont porté Ubaïda qui avait la jambe découpée et sa jambe n'a cessé de saigner jusqu'à mourir. Radiallahu anhu. Qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Ensuite le combat a continué et le prophète, comme on l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a levé ses mains et a invoqué Allah. Il s'est humilié devant Allah tabaraka wa ta'ala et lui a demandé de l'aide sans repos et sans répit, jusqu'à ce que Abu Bakr radiallahu anhu ramassait à chaque fois son vêtement qu'il portait sur ses épaules et il lui remettait. Puis il lui disait: ça suffit, Allah va t'exaucer, il va t'accorder ce que tu lui as demandé. Puis le prophète alayhi salatu wasalam a dit: oh Allah, si ce groupe, c'est-à-dire parmi les musulmans, est vaincu, tu ne seras plus adoré sur la terre. Et Allah Azza wa Jalla a révélé le verset où il fait référence à cette invocation: lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur qui vous exauça aussitôt, je vais vous envoyer en renfort un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé un millier d'anges dans le but de terrasser l'ennemi d'Allah et de le vaincre et de secourir la religion d'Allah et les adeptes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir invoqué Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui un court instant, après lequel il s'est réveillé et il a dit à Abu Bakr, alors qu'il était réjoui, il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu: voici Jibril qui arrive, c'est-à-dire voici Jibril qui arrive à cheval, avec, accompagné du millier d'anges qui sont tous à cheval dans le but de combattre les kuffars. Donc Allah Azza wa Jal a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله: وكان الشيطان قد تبادى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج، فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوا في أهاليهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, c'est le début de la page 39, Al-Shaytan s'était auparavant présenté aux mécréants de Quraysh sous l'apparence de Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum, le chef du clan des Bani Mudlij. Souvenez-vous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour aller à Médine, vous vous souvenez, il est passé dans un village et les kuffars de Quraysh ont dit aux gens: celui qui nous ramène Muhammad ou Abu Bakr aura en cadeau 100 chameaux. Vous vous souvenez d'un homme qui a entendu ça, il est monté sur son cheval et il est venu pour les attraper. Le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah et les pattes du cheval se sont enfoncées dans la terre. Cet homme-là, c'est lui dont on parle ici, Suraqa ibn Malik ibn Ju'ashum. Dans la bataille de Badr, Al-Shaytan a pris son apparence. Pourquoi est-ce qu'il a pris son apparence? Car il y avait des problèmes, des différends entre Quraysh et le clan des Bani Mudlij, dont le chef est Suraqa. Ils avaient des problèmes entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Et quand les kuffars de Quraysh sont partis pour combattre les compagnons dans la bataille de Badr, ils ont eu peur que les Banu Mudlij ne fassent du mal aux gens de leur famille. Alors, Ash-Shaytan est venu sous l'apparence
du chef des Banu Mudlij, qui est Suraqa ibn Malik ibn Ju'ashum, comme pour leur dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous protéger, et il n'y a aucun souci entre nous, il n'y a aucun différent, vous pouvez y aller tranquillement. Et donc quand ils ont vu ça, ils ont pensé que c'était véritablement l'homme, Suraqa, et ils sont allés au combat. Il les avait alors assurés de sa protection et les avait incités à venir combattre. C'est-à-dire, il leur a dit, ne vous inquiétez pas pour les gens de votre famille, je me chargerai de leur protection. Leur présentant ce choix sous le meilleur jour. En effet, ils craignaient que les Bani Mudlij n'assurent pas en leur absence la protection de leur famille et de leurs biens. Tel est le sens des paroles du Très-Haut, la traduction du verset. Et rappelez-vous, quand Shaitan leur a embelli leurs actions en disant « Nul ne pourra vous vaincre aujourd'hui et je suis votre protecteur. » Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les talons en disant « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. » Qu'est-ce qui s'est passé durant cette bataille? Ash-Shaytan est allé voir les gens de Quraysh et leur a dit « Allez combattre. » Et il était sous la forme d'un homme. Je me charge de la protection de votre famille, ne vous inquiétez pas. » Ils sont donc allés combattre. Et c'est là que Shaitan a vu le millier d'anges qu'Allah Azza wa Jal a envoyé. « Ra'a al-mala'ika fakhaf » Et la peur s'est emparée de lui. Et à cause de ça, il a pris la fuite. Mais juste avant, il a embelli leurs actions. Et ici, on va tirer une leçon. C'est que Ash-Shaytan, quand il veut égarer le fils d'Adam, il lui embellit son acte. Il lui embellit la parole qu'il veut dire, même si elle est interdite. Il lui embellit la chose qu'il veut faire, même si elle est interdite. Ensuite, quand il passe à l'acte, Shaitan l'abandonne et il prend la fuite et il dit « Je ne t'ai pas forcé à le faire. Je ne t'ai pas contraint à le faire. Je t'ai tenté et tu as répondu à la tentation. Tu ne peux te blâmer que ta propre personne. » C'est ce qui s'est passé ici. Shaitan leur a dit « Nul homme ne pourra vous vaincre aujourd'hui et je suis votre protecteur. » Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, dès que les kuffars se sont rapprochés des croyants et que les mille anges se sont rapprochés, Shaitan leur a dit « Je vous désavoue, je me désavoue de vous. Je n'ai rien à voir avec vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. » Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait apporter son secours au peuple de Quraysh. En effet, Shaitan vit les anges descendre pour combattre aux côtés des musulmans. Non. Hein? Comment? Allah allait apporter son secours contre le peuple de Quraysh aux musulmans. Barakallahu fik. Si vous m'entendez faire une erreur, n'hésitez pas à me couper et me corriger. En effet, Shaitan vit les anges descendre pour combattre aux côtés des musulmans. Comprenant qu'il ne pourrait rien contre eux, il prit la fuite et de fait, obéissant au commandement d'Allah, les anges participèrent au combat. Si bien qu'un musulman qui pourchassait son adversaire le voyait s'écrouler devant lui. Entre parenthèses, frappé par un ange. Allah subhanahu wa ta'ala a apporté un secours aux croyants tel qu'il n'avait même plus besoin de combattre. Le croyant s'approchait de l'ennemi avec son épée pour lui faire face et s'opposer à lui, et un ange venait avant lui pour l'achever et le laisser au sol. Comme le dit ici Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa manaha Allahu al-muslimina aktaf al-mushrikin, فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسر وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. Allah mit donc en déroute les polythéistes devant les musulmans
Le premier à prendre la fuite étant Khalid ibn al-A'lam, qui fut ensuite rattrapé et capturé. Puis les musulmans pourchassèrent leurs ennemis, tuant certains d'entre eux et capturant les autres. Ainsi, les tués et les prisonniers furent nombreux. En outre, les musulmans s'emparèrent d'un butin. Et je ne sais pas pourquoi, ici le nombre de prisonniers et le nombre de tués n'est pas cité. Alors qu'en arabe, il est cité très clairement par Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir, rahimahullah, azza wa jal, a dit que les musulmans ont tué 70 personnes, 70 hommes, et ont fait prisonniers 70. Donc, ils ont emprisonné 70 hommes et tué 70 hommes et ils ont pris leur butin. Et tout ça n'est pas inscrit ici. Si, le butin est marqué. Mais le nombre d'ennemis qui fut tué et emprisonné n'a pas été écrit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a secoué les polythéistes et leur a infligé une lourde perte et une défaite. Et souvenez-vous qu'ils étaient 1000 et les musulmans n'étaient que 310 à peu près. Les musulmans n'avaient que à peu près 70 chameaux et 2 chevaux. Et les kuffars étaient tous armés, ils avaient tous des montures. Mais Allah Azza wa Jal les a aidés par le millier d'anges qu'il a envoyés. Et donc, bifadlillah et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a conduit les mécréants à la perte. Ils ont donc commencé à prendre la fuite. Le premier qui a pris la fuite parmi les kuffars s'appelle Khalid ibn al-A'lam. Il a été rattrapé et fait prisonnier. Ils ont réussi à le rattraper et ils l'ont fait prisonnier. Ils ont tué 70 hommes. Ils en ont emprisonné 70 et ils ont pris tout leur butin. Et donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla a tenu sa promesse lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les débuts de sourate Al-Anfal, le butin ou les butins, le butin na'am, qu'il promettait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam un des deux groupes, soit le groupe qui revient avec le convoi commercial avec les marchandises, ou bien le groupe militaire qui vient pour agresser les musulmans. قال ابن كثير رحمه الله فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء وتمم عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه أي فصل رأسه قطع رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك أي فرح بذلك. ابن كثير رحمه الله تعالى a dit: parmi les mécréants qui tombèrent sous les coups des musulmans à l'endroit indiqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous vous souvenez qu'à chaque fois que le prophète passait par un endroit, il faisait un signe avec son doigt et disait: à cet endroit, telle personne va tomber, à cet endroit, telle personne va être tuée, parmi les kuffars, en disant leur nom. Et ensuite le compagnon a dit qu'il n'a pas vu un seul kafir manquer la place qu'avait indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il allait tomber tué par les musulmans. Parmi ces gens, qui est-ce qui a été cité en premier? Abu Jahl, également appelé Abu al-Hakam, Amr ibn Hisham, qu'Allah le maudisse. Il a été tué par qui? Par deux jeunes garçons. L'un s'appelle Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh et le deuxième Mu'awwid ibn Afra. Et il a été achevé par Abdullah ibn Mas'ud. Celui-ci le décapita et apporta sa tête au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne cacha pas sa satisfaction. Et l'histoire de la mort d'Abu Jahl
a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Vous vous souvenez qu'Abu Jahl, l'ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui la cause du combat. C'est lui qui a dit on va aller là-bas et on va y rester 3 jours, on va boire de l'alcool, on va faire danser et chanter les femmes afin que tous les Arabes nous redoutent. C'est lui qui a infligé un coup fatal à Soumaïa, radiyallahu anha. Eh bien, regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va se venger de lui. L'imam Muslim, rahimahullahu azza wa jal, rapporte, selon Abdurrahman ibn Awf, أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر alors que je me tenais debout dans le rang le jour de Badr نظرت عن يميني وشمالي j'ai regardé à ma droite et à ma gauche فإذا أنا بين غلامين من الأنصار je me suis aperçu que j'étais entre 2 jeunes enfants des Ansar حديثتين أسنانهما ce sont 2 jeunes enfants. تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا أَيْ أَقْوَى j'avais espéré ou j'avais souhaité être au milieu de 2 hommes forts. C'est-à-dire qu'Abdurrahman ibn Auf regarde et il voit 2 jeunes. Il se dit, j'aurais préféré que je trouve à ma droite et à ma gauche 2 hommes forts. Mais il ne sait pas que ces 2 jeunes garçons, ce sont eux qui vont tuer Abu Jahl. Alors il dit فَرَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمْ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَبْنَ أَخِي أَخْ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي هَذَا الشَّابْ الَّذِي يَتَكَلَّمْ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. Et alors le premier prend la parole et interpelle Abdurrahman ibn Auf pour lui dire « Oh, mon oncle, est-ce que tu connais-tu Abu Jahl ?»« Oui, répondit-il. De quoi as-tu besoin chez lui » dit-il. Ô fils de mon frère, et le jeune garçon dit, on m'a informé qu'il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Donc le sens de la parole qu'il va dire ici, que si je me trouve devant lui, on ne se séparera pas tant que l'un de nous meurt. C'est ce qui est voulu. قال فتعجبت لذلك عبد الرحمن a dit je fus alors étonné par cette parole فرمزني الآخر quand l'autre m'a interpellé فقال مثلها pour dire la même chose قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس alors j'ai regardé Abu Jahl marcher au milieu des gens فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه ne voyez-vous pas? Voici votre camarade au sujet duquel vous m'interrogez. قال فابتدرا فضرباه بسيفهما حتى قتلاه. Alors les 2 jeunes enfants se sont précipités sur Abu Jahl, chacun avec un épée, et chacun a frappé Abu Jahl avec son épée, puis ils l'ont laissé au sol en train d'agoniser. Le sang qui coulait de son corps. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis ils sont allés voir le prophète صلى الله عليه وسلم فأخبره pour l'informer. C'est-à-dire ils ont dit au messager d'Allah on a tué Abu Jahl. Et ils étaient contents. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était très heureux quand une tête de la mécréance était tuée au combat. Car une mort d'une tête de la mécréance signifiait un pas en plus pour l'islam et pour les musulmans. فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ Le prophète, alayhi salatu wa salam, leur a dit, qui d'entre vous l'a tué? فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ
Et alors chacun des deux a dit, c'est moi qui l'a tué. فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا. Le prophète والسلام, leur a dit, avez-vous essuyé vos épées? C'est-à-dire pour voir le sang. Le sang d'Abu Jahl, sur quelle épée sera-t-il? قَالَ لَا. Ils dirent non. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors regardé les deux épées. Il a regardé les deux épées et il a dit, c'est vous deux qui l'avez tué. Ça, c'est la version qu'on trouve ici. Mais sachez que ces enfants ou ces garçons ont frappé avec leur épée Abu Jahl et l'ont laissé au sol en train de mourir. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est arrivé avec sa monture et il a trouvé Abu Jahl au sol en train de mourir. Il a sorti son épée, il lui a découpé sa tête, il a ramené sa tête avec lui, il l'a jeté devant les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète a vu la tête d'Abu Jahl, il a souri tellement il était heureux qu'un des pires ennemis d'Allah azza wa jal a été tué. Souvenez-vous du jour où il a planté une flèche dans la partie intime de Soumaïa, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas oublié. Et Allah dit dans le Coran, voilà, تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne crois pas qu'Allah est inattentif à ce que les injustes font. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit l'injustice, on ne doit pas croire qu'il laisse les choses se faire et qu'il ne rendra pas aux opprimés leurs droits. Il le rendra soit dans ce bas monde ou soit dans l'au-delà quand ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici la fin des gens du shirk, des gens du polythéisme, ceux qui adorent autre qu'Allah, ceux qui appellent à adorer autre qu'Allah, ceux qui combattent les gens qui adorent Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala les achève les uns après les autres. Car comme vous allez le voir, Allah subhanahu wa ta'ala va infliger des pertes les unes après les autres à Quraysh, qui croyait être le peuple le plus fort, le peuple qui a la victoire sur les autres. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah a cité que parmi les gens tués, wa Utba wa Shayba ibn Rabi'a wa al-Walid ibn Utba. Donc il y a ces trois noms que vous venez d'entendre. Il dit wa Umayyah ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf a également été tué le jour de la bataille de Badr. Umayya ibn Khalaf fait partie des pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Umayya ibn Khalaf, c'est lui qui prenait Bilal pendant la chaleur et qui l'allongeait au sol et qui lui mettait une pierre sur son ventre pour qu'il abandonne l'islam. C'est lui qui s'amusait à faire du mal de cette façon à Bilal radiyallahu anhu. Umayya ibn Khalaf, pendant la bataille de Badr, avait peur d'être assassiné. Il savait que les musulmans allaient le tuer, mais il ne savait pas où, il ne savait pas quand. Et l'histoire de cela est rapportée par le Bukhari. Selon Amr ibn Maymoun, أنه سمع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله ابن مسعود a raconté et a dit, حدث عن سعد بن معاذ أنه قال. عبد الله ابن مسعود a dit que سعد ابن معاذ رضي الله عنه أنصاري a dit, كان صديقا لأمية بن خلف. À l'époque, Sa'd ibn Mu'adh était l'ami de Umayya ibn Khalaf, le pire ennemi de l'islam. Là, on parle avant que Sa'd ne devienne musulman. Et quand Umayya ibn Khalaf se rendait à Médine, il séjournait chez Sa'd ibn Mu'adh. Et quand Sa'd ibn Mu'adh se rendait à la Mecque, il séjournait chez Umayya ibn Khalaf. Wa kana Umayya idha marra bil Madina intalaqa Sa'd mu'tamira
فنزل على أمية بمكة. سعد est allé chez Umayya un jour à la Mecque. Donc ça c'est après l'islam. Au début ils étaient amis, ensuite l'islam est arrivé, Sa'd rentre dans l'islam et il va à la Mecque pour faire la Umrah. فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل. Il est allé faire la Umrah et il a rencontré Umayya ibn Khalaf, à qui il a demandé de lui indiquer un moment où il pourra faire le tawaf en sécurité. Umayya lui a indiqué à quel moment est-ce qu'il peut venir faire le tawaf. Abu Jahl arrive, c'était au milieu de la journée, à midi à peu près. Abu Jahl arrive et il interpelle Umayya ibn Khalaf par sa kunya, son surnom, et lui dit: Ya Aba Safwan, من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. Et donc أبو جهل interpelle Abu Safwan, qui est Umayya, pour lui dire: qui est celui qui est avec toi? Sa'd répondit Umayya. Abu Jahl dit alors à Sa'd: je te vois faire le tawaf en sécurité à la Mecque, alors que là-bas vous avez abrité les apostats. De qui est-ce qu'il parle? Des musulmans qui ont quitté la religion de leurs ancêtres pour rejoindre la religion de l'islam. Il dit donc à Sa'd ibn Mu'adh: je te vois ici faire le tawaf en sécurité alors que là-bas vous avez abrité Muhammad et ses compagnons, et vous avez prétendu que vous allez les aider et les secourir. Il dit: par Allah, si tu n'étais pas en compagnie d'Abu Safwan, tu ne serais pas rentré chez toi en sécurité, c'est-à-dire je t'aurais tué. فَقَلَ لَهُ سَعْدْ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَإِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ. Sa'd lui a dit en criant sur lui: par Allah, si tu m'empêches de faire un tawaf tranquillement autour de la Kaaba, je t'empêcherai quelque chose de dur pour toi, je t'empêcherai de venir à Médine. فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدْ على أبي الحكم. أمية أدي سعد: ne lève pas ta voix au-dessus d'Abu al-Hakam, c'est-à-dire de Abu Jahl, سيد أهل الوادي, le chef de cette vallée. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية. سعد lui a dit: laisse-moi tranquille ô أمية, éloigne-toi de moi. فوالله لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. Car par Allah, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire qu'ils allaient te tuer. Et dès que Umayya a entendu ça, دخل الخوف في قلبه, la peur est rentrée dans son cœur. قال بمكة, يريد أن يعرف أين سيقتل. Il dit à la Mecque, pourquoi? Il veut savoir où est-ce qu'on va le tuer pour éviter cet endroit, pour se préparer éventuellement. Mais il ne pourra pas éviter l'ordre d'Allah Azza wa Jal. قال لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. Et Sa'd lui a dit: je ne sais pas où est-ce que tu seras tué, mais une chose est sûre, c'est qu'on va te tuer. Et alors il a été pris d'une peur qu'il l'a terrifié. فلما رجع أمية إلى أهله إلى زوجته قال يا أم صفوان ألا ترين ما قال لي سعد. Ensuite أمية rentre chez lui et parle avec sa femme et lui dit: oh toi la mère de Safwan, ne vois-tu pas ce que m'a dit سعد؟ قالت وما قال لك. Sa femme lui a dit: qu'est-ce qu'il t'a dit؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي.
Il prétend que Muhammad les a informés qu'il allait me tuer. Faqultu lahu bi Makkah. Sa femme lui dit à la Mecque et lui répond qala la adri, je ne sais pas. Faqala Umayya dit wallahi la akhruju min Makkah. Par Allah, je ne sors plus de la Mecque. Il était en panique de se faire tuer. Pourquoi? Parce que ces gens-là savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quelque chose, ça va arriver. Ils le savent. Dans plusieurs moments, on le voit qu'ils le savaient. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلٍ النَّاسِ اَيْ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا أَنْ يَخْرُجُوا لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ. Lorsque le jour de Badr est arrivé, Abu Jahl a poussé les gens à sortir, c'est-à-dire pour combattre les musulmans. قَالَ أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ. Abu Jahl a dit aux gens, sortez, allez apporter le secours à la caravane commerciale. فَكَرِهَا أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجُ. Umayya n'a pas voulu sortir. فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ. Abu Jahl est venu le voir et lui a dit, يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ تَخَلَّفُوا مَعَكَ. Abu Jahl lui a dit, oh Umayya, si tu ne sors pas alors que les gens te regardent et que tu es le chef de cet endroit, de cette vallée, les gens ne vont pas sortir. Il faut absolument que tu sortes. فَلَمْ يَزَلْ أَبُو جَهْلْ حَتَّى قَالَ أَمَا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةٍ فَذَا لَيْسَ لِلْقِتَالِ وَإِنَّمَا لِلْهُرُوبِ. Puis il dit à Abu Jahl, qui n'a cessé de l'inciter à sortir pour combattre les musulmans, puisque tu m'as vaincu, c'est-à-dire tu as réussi avec tes arguments à me forcer à sortir, par Allah, j'irai acheter le chameau le plus rapide de la Mecque. Pourquoi? Pour combattre? Pour fuir. Pour fuir, subhanallah. C'est qui qui parle? C'est celui qui mettait Bilal par terre et qui, en plein soleil, lui mettait un rocher sur son ventre. Et Bilal restait ferme et disait « Ahadun ahad ». Allah est unique, Allah est unique. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il achète le chameau le plus cher de la Mecque pour fuir les musulmans. Subhanallah. « Thumma qala Umayya » Puis Umayya a dit « Ya Umma Safwan, jahizini » Il parle à sa femme « Oh Umma Safwan, prépare-moi » C'est-à-dire « Prépare ma monture, prépare mes provisions, prépare mon sac » et toutes ces choses-là. « Faqalat la » يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي أي سعد بن معاذ يثربي أي من المدينة يثرب. Et sa femme lui dit, oh Abu Sufwan, as-tu oublié ce que ton frère de Yathrib t'a dit? Yathrib, c'est Médine à l'époque. À l'époque, on l'appelait Médine. Et ici, on parle de qui? De Sa'd ibn Mu'adh, qui, quand il a fait le tawaf, lui a dit, on va te tuer. Et là, la peur est revenue. La peur est revenue en lui. قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا أي أخرج أمشي قريبا وأرجع. Il dit non, je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit, mais je ne vais que parcourir une petite distance. Pourquoi? Parce qu'Abu Jahl lui a dit sors, sinon les gens ne vont pas sortir. Alors il a dit j'achète le chameau le plus rapide de la Mecque pour fuir, et en plus de ça, je ne fais qu'une petite distance et ensuite j'abandonne tout le monde et je reviens à la Mecque. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرة. Et donc quand il a quitté la Mecque, à chaque endroit où il faisait halte, il attachait son chameau et il disait je vais faire demi-tour, je rentre à la Mecque. Et ensuite, il partait et il allait avec eux. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait, il disait « Cette fois-ci, je vais faire demi-tour. » En fait, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ramené à son endroit de sa mort. Et il ne peut pas éviter. Qui va éviter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? « فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَدْرِ. » Il n'a cessé de se conduire ainsi, à chaque arrêt de dire « Je retourne » sans jamais retourner, jusqu'à arriver à Badr et Allah Azza wa Jalla l'a tué
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ Et c'est ainsi qu'a été tué Umayya ibn Khalaf. قال ابن كثير رحمه الله فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب والقليب هو البئر ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصراني الناس وأخرجتموني وآواني الناس إلا أن هذا الخبر لا يصح ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى إلا أنه يوجد خبر صحيح وسنقرأه إن شاء الله تعالى Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit Utba et Shayba, les fils de Rabi'a, mais aussi Al-Walid ibn Utba et Umayya ibn Khalaf, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ordonna que leur corps soit traîné et jeté dans le vieux puits de Badr. Pourquoi? Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas un corps mort au sol. Il l'enterre, il le met dans un trou, car c'est un être humain. Et donc, et aussi pour montrer l'humiliation, car toute personne qui passera devant le puits de Badr, quelques jours après la bataille, verra les corps de ces gens-là, et verra que les musulmans sont devenus forts. Et c'est une éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toute personne qui songerait à s'opposer aux musulmans. Puis la nuit, il se tint devant leurs corps, sans vie, et les blâma durement en disant « Quelle détestable tribu avez-vous été avec votre prophète ? Vous m'avez traité de menteur quand les gens me crurent. Vous m'avez abandonné alors que les gens m'ont soutenu. Et vous m'avez chassé tandis que les gens m'ont prêté asile. » Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a jugé faible ces paroles qui sont affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ces gens-là. Il s'est adressé à ces gens-là et il leur a dit, donc c'est-à-dire qu'après la mort de ces gens-là, le prophète alayhi salatu wa sallam s'est rapproché de leur corps. Et il leur a dit « Ya Aba Jahl ibn Hisham, Ya Umayya ibn Khalaf, Ya Utbat ibn Rabi'a, Ya Shaybat ibn Rabi'a, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, fa inni wajadtum ma wa'ada rabbi haqqa. » Il s'est tenu debout devant les corps de tous ces gens-là. Et il leur a dit, donc après les avoir appelés par leur nom, n'avez-vous pas trouvé ce que votre Seigneur vous avait promis? Quant à moi, j'ai trouvé ce que mon Seigneur m'a promis. Allah subhanahu wa ta'ala a promis la défaite aux mécréants et eux, ils entendaient les versets que récitait le prophète alayhi salatu wassalam, les versets que les compagnons récitaient, ils les entendaient où Allah azza wa jalla disait qu'il allait secourir les croyants. Et les croyants récitaient aussi les versets où Allah Azza wa Jal leur avait promis le secours. Donc le prophète se tient debout devant leur corps et leur dit, vous avez trouvé ce qu'Allah vous avait promis? Quant à moi, j'ai trouvé ce qu'Allah m'a promis. Umar radiallahu anhu s'est étonné que le prophète s'adresse à des morts. Qala lahu Umar, Ya Rasulallah, Kayfa yasma'una qawlak aw yujibun wa qad jayyafu. Omar leur dit, ô messager d'Allah, comment pourraient-ils entendre des paroles? Comment pourraient-ils te répondre alors que leur corps se consume? C'est-à-dire ils sont morts et leur corps est en train de pourrir. Comment est-ce qu'ils peuvent te répondre? Faqala walladhi nafsi biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Thumma amara bihim fasuhibu faulqu fi qalibi badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main,
que vous n'entendez pas mieux qu'eux. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a fait entendre les paroles du prophète, ou leur a fait entendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne peuvent pas répondre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on les attrape, qu'on les traîne et on les lance dans le puits de Badr. Et c'est ainsi qu'Allah azza wa jalla a infligé cette perte et cette humiliation aux kuffar de Mecca. قال ابن كثير رحمه الله ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة أي ثلاثة أيام ثم ارتحل بالأسارى والمغانم وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري وأنزل الله تعالى في وقعة بدر Sourate Al-Anfal. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demeura trois jours à Badr. Vous voyez maintenant qui est resté trois jours à Badr. Vous vous souvenez que ce que disait Abu Jahl: on va rester là-bas pendant trois jours, on va boire l'alcool et on va danser. Regardez qui est-ce qui reste trois jours à Badr, à regarder le corps de Abu Jahl par terre. Demeura trois jours à Badr avant de quitter les lieux avec ses captifs et le butin dont il confia la garde à Abdullah ibn Ka'b ibn Amr du clan des Bani Najjar. Allah le Très-Haut fit alors descendre au sujet de la bataille de Badr la sourate Al-Anfal, le butin. Et certains des pieux prédécesseurs ont donné comme surnom à la sourate le butin sourate Badr. Yusammouna sourate Al-Anfal sourate Badr. يقولون هذه سورة بدر. Les Sahaba رضي الله عنهم et les pieux prédécesseurs donnaient comme nom à la bataille, à la sourate, le butin, la sourate de Badr, pour les raisons évoquées tantôt. طيب. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا. النضر بن الحارث من أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المسجونين فقتلوه وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرثته أخته ويقال ابنته قيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا لو سمعتها قبل لم أقتله إلا أن هذا الخبر لا يصح فهو ليس بصحيح. ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit: lorsque les musulmans atteignirent As-Safra, Safra c'est le nom d'un endroit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partagea le butin conformément au commandement d'Allah le Très-Haut. Et l'ordre du butin, on le retrouve dans sourate Badr. Allah azza wa jal dit: wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. Et sachez que ce que vous gagnez comme butin, il revient un cinquième pour Allah et son messager. Donc, dans ces versets, Allah Azza wa Jal cite les règles par rapport au butin. Puis, il ordonna qu'un Nadr ibn al-Harith, pour prix de la corruption qu'il avait semée sur terre et du tort qu'il avait causé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit exécuté. Un Nadr ibn al-Harith faisait partie des pires ennemis des musulmans. Il faisait partie des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam, comme cet homme-là, Nadr ibn al-Harith, faisait partie des prisonniers des musulmans, a ordonné à ce qu'il soit exécuté. Et on l'a exécuté, c'est-à-dire qu'on l'a attaché et on lui a tranché la tête. Sa sœur ou sa fille, Qutaylah, dit-on,
pleura sa mort à travers un célèbre poème que cite Ibn Hisham. Après avoir entendu ce poème, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme le prétendent certains, affirma: si je l'avais entendu avant cela, je n'aurais pas ordonné qu'il soit exécuté. Mais cette histoire ici, elle n'est pas authentique. Wallahu alam. Et cet homme-là, Al-Nadr ibn al-Harith, kana sha'iran. Wa kana yahju al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi shi'rih. C'était un poète. Et avec ses poésies, il provoquait les musulmans, il dénigrait les musulmans, il se moquait des musulmans. Et il a fait beaucoup de mal, c'est pour cela qu'il a été exécuté. قال ابن كثير رحمه الله ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. عرق الظبية هو مكان موضع من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة. وعن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله قال ابن كثير رحمه الله كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله. ابن كثير رحمه الله continue à nous citer les gens qui ont été exécutés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici il cite: puis, après avoir fait halte à un endroit qui s'appelle Irq al-Dhubya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna que Uqba ibn Abi Mu'ayt soit à son tour exécuté. Puis il consulta ses compagnons au sujet du sort qui devait être réservé au reste des prisonniers. Donc ils ont exécuté cet homme-là qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Qui est cet homme? Cet homme-là a fait beaucoup de mal aux musulmans. Parmi son mal, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé prier devant la Kaaba. Quand est venu Uqba ibn Abi Mu'ayt, cet homme-là qui est exécuté ici, avec un vêtement, et quand le prophète s'est prosterné, il a étranglé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son vêtement, il l'a serré et il est parti. Une autre fois, le prophète alayhi salatu wa sallam était en train de prier. Uqba ibn Abi Mu'ayt, cet homme-là encore, est allé voir des gens de Quraysh et leur a dit: qui est-ce qui va chercher le placenta de la chamelle qu'on a sacrifié hier? Hier, la veille, ils avaient sacrifié un chameau pour le manger, une chamelle. Et cette chamelle avait un placenta puisqu'elle avait un bébé. Donc, ils ont pris le placenta. Le placenta, c'est la poche où il y a le bébé dans le ventre de la mère, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Et c'est une chose qui est pleine de sang, impur. Et donc, il dit: qui est-ce qui va ramasser le placenta de la chamelle qu'on a tuée hier et qui le jette sur le dos de Mohammed pendant qu'il prie? Un homme est arrivé à ramasser le placenta et il est venu le jeter sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en prière. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt était quelqu'un qui se moquait beaucoup des musulmans, qui se moquait beaucoup du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. C'est pourquoi ils l'ont attaché et lui ont tranché la tête. Qala ibn Kathir rahimahullah: thumma inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam istashara ashabahu fil usara madha yasna'u bihim fa'ashara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi an yuqtalu وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل الله لهم ذلك وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فكان الحق عند عمر رضي الله عنه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: puis il consulta ses compagnons
au sujet du sort qui devait être réservé au reste des prisonniers. Le prophète alayhissalatu wassalam rentre à Médine, il a des prisonniers avec lui et il se demande quoi en faire, quelle est la meilleure chose. Il consulte donc ses compagnons. Il commence par consulter Omar qui lui propose de tous les exécuter. Radiyallahu anhu Omar. Ensuite, il demande à Abu Bakr. Abu Bakr lui dit, je suis plutôt d'avis qu'ils soient libérés contre une rançon. Chacun va payer une rançon et on les laisse partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pencha pour l'avis d'Abu Bakr. Mais qui est-ce qui avait raison? À votre avis, qui est-ce qui avait raison? C'est Omar, radiyallahu anhu. Et c'est pourquoi les savants l'ont surnommé Al-Mulham, l'homme inspiré. C'est-à-dire l'homme à qui Allah a tout le temps ou souvent inspiré la bonne solution à prendre, le bon choix. À chaque fois, Allah lui donnait raison. Dans beaucoup de versets, Allah donnait raison à Omar dans les choix qu'il faisait. D'un côté, Allah Azza wa Jal autorisa cet échange aux musulmans et de l'autre, il les blâma pour leur attitude à travers ses paroles. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur terre. Vous voulez les biens de ce monde, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Donc ici, on apprend que Allah subhanahu wa ta'ala a montré que la vie de Omar était la vie qu'il fallait prendre. Il fallait les exécuter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore la succession sur terre. Il n'était pas encore installé sur toute la terre. Si c'était le cas, comme ici Allah Azza wa Jalla le dit, il aurait pu faire des prisonniers. Mais ici, le meilleur, c'était d'exécuter les ennemis. قال رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس حديثا طويلا فيه بيان هذا كله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400 ابن كثير رحمه الله dit d'ailleurs مسلم rapporte dans son sahih un long hadith qui relate tous ces événements. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fixa à 400 pièces d'argent la rançon exigée pour chacun des païens capturés. Et cette histoire, elle est rapportée par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Une histoire qui est un peu longue, on va prendre la partie qui nous concerne. Donc dans cette partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon nous dit, فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَ, lorsqu'ils ont constitué des gens prisonniers, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرِ, le prophète a dit à Abu Bakr et Omar, وَعُمَرْ, مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَ, أَيْ مَذَا نَصْنَعُ بِهِمْ, que dites-vous de ces prisonniers? C'est-à-dire, que pensez-vous que nous devons faire de ces gens-là? Faqala Abu Bakr, Ya Nabi Allah, hum banul am wal ashira, ara an ta'khudh minhum fidyah, fatakuna lana quwwatan 'ala al-kuffar. Abu Bakr a dit, ô prophète d'Allah, ils sont issus de nous et de notre même tribu. Pour ma part, je pense que tu devrais prendre rançon pour chacun d'eux, qui deviendra pour nous, cette rançon, une force contre les mécréants. فَعَسَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ, et peut-être qu'après Allah les guidera à l'islam. Donc regardez, malgré le fait que le bon choix n'était pas du côté d'Abu Bakr, regardez le souci d'Abu Bakr, être fort contre les kuffars et à la fin guider ces gens-là à l'islam. Leur seul but, c'est la guider à l'islam. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا تَرَى يَا بْنَ الْخَطَابِ, le prophète عليه الصلاة والسلام dit à Omar,
qu'en penses-tu au fils de Khattab ?» قُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنَا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنُ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرٍ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui dit: non, wallah, ô messager d'Allah, je n'ai pas le même avis qu'Abu Bakr, mais plutôt mon avis, c'est que tu nous donnes l'autorisation de frapper leurs coups, c'est-à-dire de leur trancher leurs coups. Tu dis à Ali de tuer Aqil, quelqu'un qui est proche de lui, et tu me laisses m'occuper d'un tel, en citant quelqu'un parmi ses proches. Regardez. Omar radiallahu anhu dit au messager d'Allah: on prend chaque compagnon qui attrape chaque personne de sa famille et qu'il le tue. C'est-à-dire pour leur montrer, parmi les kuffars, pour leur montrer que l'islam c'est notre vie et qu'on va tout faire pour sauver l'islam. Ça c'est la vie de Omar radiallahu anhu. Car ce sont les imams de la mécréance et les têtes du polythéisme. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. Le prophète a penché vers ce qu'a dit Abu Bakr. ولم يهوى ما قلت. Omar dit: il n'a pas penché vers ce que moi j'ai dit. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. Au lendemain, je suis arrivé, Omar dit, et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Abu Bakr, tous deux assis en train de pleurer. Qultu ya Rasulallah, j'ai dit au messager d'Allah: akhbirni min ayyi shay'in tabki anta wa sahibuk. Informe-moi au sujet de la raison pour laquelle toi et ton compagnon pleurez. Fa in wajadtu buka'an bakayt. Et si je vois que vous pleurez pour une raison, je pleurerai avec vous, car je partagerai la raison qui vous fait pleurer. Et si je vois que vous ne pleurez sans raison, alors je me forcerai à pleurer pour vous, pour m'associer à vous. Le prophète lui a dit: abki lilladhi arada ala ashabik min akhdihim alfida. Je pleure parce que tes compagnons ont pris la rançon. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. Ensuite, il a expliqué qu'Allah Azza wa Jal a révélé le verset pour donner raison à Omar radiallahu ta'ala an. قال ابن كثير رحمه الله: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية أي كانوا منافقين لما رأوا قوة المسلمين خافوا أن يصابوا بما أصاب الله عز وجل المشركين فتظاهروا في سورة الإسلام إلا أنهم كانوا منافقين لم يكونوا مسلمين صادقين. ابن كثير رحمه الله تعالى أدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regagna Médine après avoir été assisté par son Seigneur qui lui avait accordé la victoire sur ses ennemis, avait fait triompher son message et l'avait rendu puissant. Aussi, à la suite de cette victoire, bien des habitants de Médine embrassèrent l'islam, au nombre desquels Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses semblables, parmi les hypocrites qui se déclarèrent musulmans pour se protéger. Juste après la bataille de Badr, les musulmans sont retournés à Médine renforcés, fiers, vainqueurs. Ils ont réussi.
Donc, quand ils sont arrivés à Médine, les habitants de Médine, parmi ceux qui n'étaient pas musulmans, beaucoup d'entre eux ont embrassé l'islam. Il restait des mécréants. Ces mécréants avaient peur des représailles des musulmans, car ils ont vu que maintenant les musulmans sont devenus forts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est apparue dans l'histoire de l'islam l'hypocrisie. L'annifar, l'hypocrisie, qui consiste à se faire passer pour un musulman tout en étant mécréant, dans le but de se protéger des musulmans et de ne pas leur montrer qu'on est leur ennemi, c'est apparu à Médine, après la bataille de Badr. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'hypocrite à la Mecque ? Tout simplement parce que les kuffars n'avaient pas besoin de cacher qu'ils étaient mécréants, ils étaient en position de force. Mais quand les musulmans ont retrouvé la position de force à Médine, et alors ils étaient redoutables, les kuffars qui ne pouvaient pas les battre ont fait semblant de se convertir à l'islam pour se protéger. Et ensuite, de l'intérieur, ils ont tout fait pour vaincre les musulmans, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Walillahi alhamdu wal minnah. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et la bataille de Badr est terminée. Il nous reste un dernier chapitre concernant le nombre de personnes qui ont assisté à la bataille de Badr, ceux qui ont été tués, etc. C'est ce qu'on verra, inshallah, samedi prochain. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.